Ah, salut. Salut. Martin. Kevin. Alice, il y a quelqu'un pour toi. Bon. Ouais, je vais sortir. Ouais. Merci. Ouais. C'est une cage ici. Je suis venu en métro de Saint-Lazare. Le monde qu'il y avait, putain. T'as toujours fait des trucs. J'étais jaloux des fois de pas trouver ce qui me plairait. Bon, les moteurs de bagnole, ça le faisait un peu. Ça pue les voitures. Maintenant, j'aime bien travailler la terre. Ouais, si on m'avait dit ça, je me serais marré. Paysan, c'est un truc de merde. Enfin bon, le mec pour qui je bosse, il est bien. C'est Manon qui voulait que je vienne. Elle m'a dit qu'elle saurait pas faire autre chose que de t'engueuler. Tu la connais. Mais bon, elle trouvait que c'était con. Mais elle m'a quand même dit de le faire de sa part. Tu te souviens de ta lettre pour ton concours? Tu nous avais pris la tête avec ta lettre et ceci, que si tu y arrivais pas, il n'y aurait pas d'autre issue à ta vie, enfin un truc comme ça. Tu te souviens? Ça m'a fait mal, Alice. Je me suis senti tout seul, mais... Ça m'a fait du bien de comprendre que t'avais un truc à toi. Un truc avec toi. Je me suis dit, il y a un endroit à l'intérieur de toi que personne ne pourra te prendre. Un truc qui t'appartient. Et même si c'était de tricoter des écharpes à vendre sur le marché, ou faire des robes pour la princesse machin, c'était pas important pour qui ou avec qui. L'important, c'est que t'avais un truc à faire. Pourquoi t'es venu, Kevin? Qui t'a dit que j'étais ici? On t'a laissé 200 messages, Alice. On s'inquiétait. Alors j'ai appelé Antoine, mais ça répondait pas non plus. Et ton école m'a donné le numéro de Martin. Mais j'ai tout caché. Mais non, dis pas ça. C'est pas vrai. Ça passe. Bonjour. Bonjour. Vous voulez un petit café? Ah oui, avec plaisir, merci. Tenez. Merci beaucoup. Alice? Ah, c'est bien que tu aies pu passer. Bonjour. J'ai fini, je crois. Tu es content? Ça fait penser à un jardin dans le matin, un truc comme ça. C'est vert, effectivement. J'ai cherché une sensation de fraîcheur, mais très vite, l'odeur devient plus chaude. Du moins, je voudrais vraiment qu'on ait cette dualité. Tu le sens? C'est beau. Je suis parti d'un souvenir. Je crois que j'ai réussi à ne rendre perceptible que la matière. Il est délivré de l'affect, des images, et même des essences ont tous les faits. Je suis heureux que tu le comprennes. Et si, au lieu de broder la fleur dominante, je travaille sur un dégradé de couleurs, des tons chauds et froids, comme une onde,
Ce serait bien de signifier ton travail autrement que par des motifs floraux. Ce serait bien de changer un peu, non? Non, c'était très bien l'idée de broder une fleur, la fleur dominante. En tout cas, c'est ça qui a plu. En fait, l'autre jour, en voyant mon flacon, j'ai trouvé un peu idiot, d'un coup. Il est plus très en forme, c'est sûr. Mais c'est le tout premier. Alice, garde-le. Oui, mais des fleurs de lilas pour un parfum composé de lilas, c'est con. Hein? Non, c'est un parfum simple. Il n'a besoin de rien d'autre. Et puis ce qui est fait, est fait. Oui, des fois, c'est dommage de ne pas pouvoir changer ce qui a été fait. On devrait avoir ce droit. Changer ce qui a été mal fait. Et tu pars un petit peu? Non, j'ai trop de travail. Mais à partir du 15, je serai en Normandie. On ira peut-être au même moment. Agnès m'a proposé de venir. Antoine est là-bas en ce moment. Tu as peu de chance de le croiser quand tu y seras. Trois semaines, c'est bon, mais pas un mois. D'accord. D'accord. Mmh. Merci. Ça fait longtemps? Bah, 3 ans depuis l'exposition d'Antoine. Ah ouais. Mmh. J'aime bien. Hein. Merci. C'est une artiste qui s'inspire des filets de pêche. Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah, ça va. Je travaille beaucoup. Ouais. Mmh. Et la vie? Je travaille beaucoup. Et Arlette, ça va? Ouais, ouais, très bien. Elle accueille toujours des étudiants. Tu l'embrasseras de ma part. Bien sûr. Et t'aurais le nouveau numéro d'Antoine? Oui. Hmm. 00 49 172 36. C'est étrange que t'appelles, je pensais à toi. Je crois que la dernière fois que je suis venu ici, c'était avec toi, justement. C'était il y a très longtemps, alors. Et voilà pour vous. Tu viens souvent? Merci. Ouais, régulièrement. Bonjour. Bonjour. Un café. Non, et un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Merci. Tu vis à Berlin, alors? Oui. Je suis rentré de Chine il y a quelques mois. Ma copine voulait connaître l'Europe et comment on a créé une sorte de collectif. Beaucoup sont à Berlin. Voilà pourquoi. Ton amie est photographe? Non, elle est traductrice. Et toi, Alice, tu vas bien? Oui. Et je travaille beaucoup. C'est beau ce que tu portes. Merci. J'ai découvert les papiers japonais. Tu sais, c'est ceux qui entourent le riz et les gâteaux dans les restaurants. Je m'en suis inspirée, du coup. Quand je pense à toi, je te revois souvent ici.
Avec ta fleur, tu te souviens? Je me souviens de tout. Quand je suis arrivé en Chine, je me suis rendu compte que tu me manquais. Je voulais t'appeler, mais à chaque fois, quelque chose me retenait. Et puis, j'ai appris que tu bossais avec Harold et que ça allait. Du coup, je suis resté là-bas. J'espérais pas vraiment, mais je me disais, si je fais quelque chose de bien, il reviendra. Ça m'a donné du courage pour travailler. Puis j'ai su que t'avais quelqu'un. Alors j'ai arrêté d'espérer. J'ai pas réussi, vraiment. Je rêve de toi tout le temps. Je t'ai fait de la peine. J'avais pas fini de t'aimer, Antoine. J'ai eu tellement peur au début. Quand j'ai osé, c'est un torrent d'amour qui est sorti de moi. Comment ça s'arrête du jour au lendemain? C'est idiot. Non, pas du tout. Ce torrent d'amour, comme tu dis, il m'a entraîné ailleurs avec la force qui me manquait. Et moi qui croyais que tu m'en voulais. Souvent dans mes rêves, tu passes devant moi sans me regarder. Alors tu vois, je t'en veux pas et tu me regardes. Mon amour, je t'attends.